Alors, vous êtes prête? Allons-y! Bon, qu'est-ce que je vais voir? Austin, hein? De la terre! Ah, elle va le faire! Je vais même toucher cette bouillie! Bah. Horrible! Bon, préparez-vous et je plonge! Ah! Oh non! Et le couvert de boue! Quel cauchemar! Je suis tout grand! Ah, regarde! Hé, arrêtez de rigoler, vous! Bon, c'est dégoûtant! C'est ça! Je vous fais vous à boire! Aïe! Bon, c'est parti! J'espère que j'aurai de la chance! Et voilà! C'est la farine pour Betty! Elle est tellement blanche! Oh, qu'est-ce que tu fais? Je ne vois rien! Hé! Hey, qu'est-ce qu'ils font, eux? T'inquiète, Betty, ne te laisse pas distraire! Aïe! Non, je suis toute blanche! Regardez, les gars! Ouais, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Je ne peux pas m'arrêter! Apché! T'es prête, Bella? Et Bella sort des cornichons? Ouais, c'est pas si bon que ça. Et c'est horrible de près. Bébé! Bien ça, Betty! Arrête! Qu'est-ce qui m'attend, moi? Oh, l'odeur est étrange. Quelque chose de désagréable m'attend. Vas-y, Austin! Et Bella! Oh! Oh, vraiment horrible! Je veux sortir d'ici plus vite! Vraiment horrible! Regarde-toi! Comment je vais me débarrasser de cette odeur dégoûtante? Pauvre Bella! Oui, c'est pas si mal que ça! J'espère que j'aurai de la chance! Et voilà! Et Betty a des bulles! Ouh, comme c'est cool! Bon, allons-y! Oh, vas-y, doucement! Oh, on a une fête de la mousse! Elle est où, Betty? J'ai tellement de chance! Je suis couvert de mousse! Oui, j'adore la mousse! C'est génial, ça! Je suis prêt! Et Austin, quelque chose d'épicé. Je me demande quel goût ont les nouilles chaudes pour lui. Oh, non mais je me suis brûlée. Eh bien, Austin, prépare-toi. Bon, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Des nouilles? J'adore ça. Cool. Oh. Non, non, je brûle! Il faut partir d'ici tout de suite! Non, c'est impossible! Ah, il faut rester loin de lui! Ah, regarde sa tête! Il faut se tirer avant le lancer! Bon, allons-y! Oh, voilà! On dirait que Betty a tiré quelque chose de bon. Je me demande ce que c'est. C'est bon, ça? Hé, hey, Bella, regarde! C'est bon, je suis prête. Ouais! Cool! Super! Vas-y, on met encore. Oh oui, cool! Génial! Oh, et en plus, c'est bon! Regardez, je suis couverte de crème sucrée. Les gars, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tu vas où, Bella? Allez, vas-y, tire. Oh, j'espère que j'aurai de la chance. Et c'est des citrons, ça. Essayons.
c'est acide. Bella, tu peux le faire, je crois en toi. Oh, c'est trop acide. Mes yeux, je vois rien. C'est qui? C'est qui ça? Au stand. Ouais, Bella. Oh, c'est quoi ça? Ah, ça fait mal. Aïe. Oh, pauvre Bella. Qu'est-ce que je vais sortir, je me demande. Oui, on dirait qu'Austin a quelque chose d'intéressant qui l'attend. Pauvre Austin. Bon, essayons. Oh, je crois que je suis coincée. Laisse-moi voir. Mais là, Austin tombe. Non. Allons-y. Oh, c'est quoi ça? C'est bizarre. Non, mais j'y arrive pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, aide-moi, Bella. Lâche-moi, Austin. Oh non. Maintenant, je suis coincée aussi. Je ne peux pas enlever mon bras, non. Non, mais allez-y. Lâchez-moi. Quel cauchemar. Oh. J'espère que j'aurai quelque chose de bon. Ça va être froid. Oui, ça va être amusant. Ça n'a pas l'air bon. Je vais le toucher. Oh non, mon doigt est gelé. Allez, chauffe-toi, doigt. Bien. Bon, je suis prête et c'est parti. C'est si froid. Mon Dieu. Non, il faut le sortir d'ici rapidement. Oh, c'est si lourd! Elle est tellement lourde! Allez, les gars! Oh! Finalement, ça a marché! Allez, Betty! Au revoir, Bella! Ne me laissez pas ici! Oh, je ne me sens pas très bien! Allez, vas-y, Bella! Et Bella a une pastèque! C'est vraiment cool. Je vais un morceau de la pastèque. Je crois que quelqu'un va sauter. Qu'est-ce qui m'attend? Je pense qu'il faut aider. Bella, laisse-moi le faire pour toi. Oui, vas-y. Super. Cela s'est avéré encore plus facile que je ne le pensais. Comme c'est bon. Qu'est-ce que tu fais, Bella? Vous avez pensé que vous pourriez me piéger? Et non, ce n'est pas le cas. C'est à moi. À moi. Allez, vas-y, Austin. Eh bien, qu'est-ce qu'il attend, Austin? C'est bizarre, ça. Il n'y a rien ici. Austin, vas-y. Eh bien, nous y voilà. Oups. Je pense que ça a fait mal. Quoi? Rien? Rien du tout? Regarde. Oh non, ça fait mal. Fais attention. Non, c'est trop tard. Au revoir. Il n'a pas l'air très heureux. Commençons par le McFlurry. Quelle paille choisir? Disons que c'est là. Oh, je pense que je l'ai eu. Génial, félicitations. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai un peu froid. Tu vas arrêter de boire? Absolument pas. Tout va bien. Très bien alors. Eh bien, à mon tour. Vous vous demandez probablement ce que boit Emma en ce moment. C'est juste le liquide le plus épicé de l'univers. Je ne me sens pas très bien. Ah, je brûle! À l'aide! Maintenant, ça arrive!
c'est mieux. Mais je crois que je suis en train de mourir. Mais ne prends pas ma glace. Maintenant, Muffy doit faire face à une solution de vrais cafards et autres insectes. Je me demande si ils ont peur des insectes. Que va-t-il se passer cette fois-ci? Un, deux, trois. Je vais prendre celui-là. Souhaitez-moi bonne chance. Sans goût. Désagréable. Enlevez-le de ma langue. J'ai besoin d'un verre. Je pense pas que ça va aider Emma. Parce qu'il y a de la banane et de la moutarde dans cette bouteille. Le tout mélangé dans un mixeur fabriqué par les meilleurs chefs du monde. C'est le genre de bouteille qui se tient dans toutes les cases restantes. Oh, je l'ai juste pensé la bouche. Ça a l'air méchant. Je me demande ce que je vais prendre. C'est juste horrible. Maintenant, nos copines ont du jus d'ananas fraîchement pressé. Celle qui obtient le jus a de la chance. Okay. Qui va commencer? Vas-y. Okay. Mia, je me demande ce qu'il y a. Awesome. C'est plutôt bon. J'aime bien. Ou alors, t'as de la chance aussi. On dirait que je sors d'une plage hawaïenne. Je peux réutiliser cette ukulélé. J'aimerais être au bord de la mer maintenant. Je déteste les ukulélés. Après, on joue et puis jouons. Je vais vous faire essayer ce que j'ai. Et Suzy a atteint cette solution. De l'eau et du wasabi. Ce n'est pas une boisson très agréable. Voyons comment Suzy y réagit. Essayons. Quelque chose de familier. C'est du wasabi. Juste un peu plus et je brûle. Tiens, mon jus frais va tout sauver. Je peux déjà sentir à quel point t'es bien. Oui, je me sens vraiment bien, merci. Maintenant, voici quelque chose de vraiment désagréable. Du fromage et du lait puant. Tu ne pourrais pas quitter les toilettes après ça. Je suis tellement curieuse de savoir ce que c'est. Je peux commencer? Bien sûr, vas-y. Essayons. Qu'est-ce que j'ai? Yo, ça pue! D'où vient cette odeur? Il semble que ça soit ton cocktail. Maintenant, je sens comme un clochard. Donc, j'ai quelque chose de savoureux. Suzy a raison. Elle est sur le point de goûter une limonade très savoureuse et rare. C'est délicieux. Ton visage. Regarde. Oh my god. What the? Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je suis devenue un monstre. Oh non. Peut-être que mon truc magique te sauvera. Je pense que ça va seulement me conduire à appuyer encore plus. Et non. Ça a aidé? Et oui, ça a marché. Uh-oh. Oui, l'odeur n'est pas des plus agréables. Cette fois-ci, c'est un Mountain Dew très savoureux. Wow, des sortes de liquides lumineux. On dirait quelque chose de très savoureux. Je suis d'accord. Il est temps de le goûter. C'est délicieux. Bingo. Mais qu'est-il arrivé à mes dents? Je crois que je rayonne maintenant. Je sais comment appliquer cette compétence. Et quand est-ce que je vais boire, moi? Dans une pièce sombre, sombre, vit une sombre, sombre. Emma, bouh! Nous sommes attaqués par des extraterrestres. Ne t'inquiète pas, ce n'est que moi. Je vais boire maintenant. Et Suzy boira un très bon Schweppes. Elle ne sera pas déçue. Je ne vais pas seulement l'essayer.
Je vais guérir tout le monde. Il est temps de faire un bilan de santé. Avez-vous été chez le médecin récemment? Honnêtement, je me souviens pas. Oh, je peux voir ça. Vous avez besoin d'une petite piqûre. Ah! Est-ce que je vais aller mieux maintenant? Bien sûr que oui. N'importe qui se remettra dans tel délice. Et maintenant, il y a du coca qui attend les filles. Une fontaine entière, pour être exact. Bien, bien. Amusant. C'est une chance de pouvoir enfin boire mon coca préféré. Ça sent le coca. Okay. Je la reconnaîtrai de très loin. C'est vrai, coca. Ça a le goût de la bombe. Je crois que oui. Je vais devoir l'essayer de mon côté. Yes! Non, non. Je vais prendre toute cette fontaine. Mais ma tête a encore une fois trouvé un plan ingénieux pour que j'essaie ce coca. Cette paille est parfaite. Et c'est la bonne longueur. Oh. Naïve. Elle pense que je ne la vois pas. Mais comment devrais-je boire? Je sais pas, c'est ma fontaine. Et seulement la mienne. C'est malhonnête. On nous l'a donnée toutes les deux. C'est tout honnête. C'est délicieux. Ah bon? Alors prends un peu de mentos en plus. Bombe à retardement. Ah, tout le coca est sur moi. J'aurais préféré tout boire. C'est pour ta cupidité. Comme nos filles ont aimé ce soda de Chupa Chups. Qui va avoir de la chance? Découvrons-le. C'est délicieux, j'adore. Et même en tel prix. Et j'ai bu et mangé. Voyons si t'as de la chance, Suzy. J'ai un mauvais pressentiment. Suzy a bien fait. Elle a décidé de sentir. C'est difficile de ne pas le reconnaître avec le nez. Après tout, il a eu le poisson et de l'huile mélangée dans un mélangeur. C'est une mauvaise combinaison. Et c'est la même chose. Comment choisir? Je pense que mon tube est bien meilleur et plus savoureux. Voilà, c'est mieux. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Hé, c'est une fausse paille. Quoi? Non, j'ai tout vu. Alors bois. Oh non! Tellement dégoûtant. J'aimais mieux le bonbon. Ah, pas de chance donc, pas de chance. Autre. Du yaourt. De l'eau. Enfin, c'était. Maintenant, c'est de l'eau super salée. Et du jus de carotte. Eh bien, les filles, êtes-vous toutes prêtes à essayer toute une gamme de saveurs? Bonne chance. Je me demande ce que j'ai. C'est quelque chose de savoureux. Je crois que c'est du yaourt. Miam! Tu as de la chance, Emma. C'est à mon tour. Je ne peux pas dire ce que c'est. Oh, c'est du jus de carotte? J'ai raison? Oh, j'espère que dans mon verre, j'ai quelque chose de bon. Oh, c'est salé! Maintenant, j'ai vraiment besoin d'une boisson. Ce tour d'échauffement a été un succès. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Que diriez-vous d'un jus avec des feuilles du basilic? Du Nesquik crémeux et sucré avec du marshmallow? Et du Coca-Cola avec un peu de sauce soja? Commençons! Je suis tellement nerveuse cette fois-ci!
Marie, je vois que tu es impatiente. Vas-y en première. Si tu as peur, admets-le. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois sucré et salé, mais pas dans le bon sens. Emma, arrête ton fou rire et bois, mademoiselle. Oh d'accord, je suis prête. C'est tellement bon! Du lait au chocolat? Super! J'espère que personne n'a encore pas mis du sel dans ma tasse. Oh, quel goût unique! Génial! Ne soyez pas jaloux. Vous avez vos boissons et j'ai le mien. Il est temps de prendre des boissons estivales rafraîchissantes. Un smoothie au baie. Du jus d'ananas. Et de l'eau au piment rouge. Eww, ça chauffe vraiment dans ce tour. Je n'ai plus peur de rien, mais il peut y avoir n'importe quoi là-dedans. Je ne peux juste pas. Tu es une fragile, je vais essayer la tienne. Délicieux. Oh, vraiment? Merci. Qu'est-ce que... Le feu? Monica, tu m'as menti. Ah! Tu aurais dû essayer toi-même d'abord. Oh, le mien est vraiment bon. Le jus d'ananas. Tout en dit qu'il s'agit d'une bonne boisson. Ah, smoothie. Emma, bois le tien avec l'un des nôtres. Pas de question, je ne te crois plus. Quoi que tu dises, plus pour nous de cette façon. On voit que nos filles aiment des boissons avec des ingrédients naturels. Et c'est pourquoi nous sommes sûrs que vous aimeriez ce cocktail végétarien composé de brocoli, d'asperges et de céleri. La meilleure façon d'obtenir les 5 des légumes dans la journée. Pour les gourmands, nous avons un milkshake sucré, mélangeons et versons dans le verre. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'huile de poisson. Quelque chose que personne n'apprécie. Tout est prêt, il est temps de s'y mettre. Croisez les doigts pour moi, les amis. Je veux dire, c'est pas mal. C'est définitivement quelque chose de super sain. Je suis sûre que j'en ai eu une mauvaise cette fois-ci. Waouh, je n'aurais pas pu me tromper davantage. C'est comme du lait au chocolat, mais avec de délicieux stéroïdes. Ok, je suis debout. Je peux le faire. C'est quoi ça? Excusez-moi les copines. Il faut que je crache ça de suite. C'est dégoûtant. Tout le monde n'apprécie pas une boisson saine, alors nous sommes impatients de voir ce que l'un d'entre nous vous fera de ce mélange. Jus de tomate et haricots. C'est plus qu'une soupe, et si vous la jetez dans une pastèque, vous allez tromper tout le monde. Les deux autres boissons sont du lait de coco et du thé brûlant. Je peux sentir quelque chose de fruité. Mon Dieu, qui pensait que la pastèque et les haricots allaient ensemble? Dégueulasse. T'en sais quoi des mauvaises boissons? J'ai du thé bouillant. J'ai besoin de quelque chose de froid maintenant. J'ai été assez claire sur le fait qu'il ne faut pas boire ça. Puisque vous aurez bu des boissons tellement terribles, la mienne doit être merveilleuse. Noix de coco, miam! Je viens d'être transportée sur une île tropicale. Le lait, c'est comme ça que tout a commencé. Mais si on y a ajouté du Nutella et des M&M's, ça va être un home run chocolaté, n'est-ce pas?
Les amateurs de chocolat sont trop contents. Je pensais que ce n'était pas la plus jolie boisson. Mais le deuxième verre fera plus que compenser. De l'eau avec un colorant alimentaire bleu vif, une surprise en cachette. Enfin, nous avons de la saumure de cornichons avec quelques vrais cornichons pour faire semblant d'être délicieux. Mais pas tout à fait. Étant la plus courageuse de toutes, je suis prête à commencer. Je pense que c'est juste de l'eau. Marie, haha, on dirait que t'as mangé de la peinture, hein? Wow, ma langue est bleue. Trop drôle. Il faut qu'on capture tout ça. Dis cheese. Ok, Emma. Oh oui, du lait au triple chocolat? Quel dessert! Alors, vous en êtes bien sortis, mais moi? Oh mon Dieu, c'est trop salé! Tu ne plaisantais pas, c'est à mourir! Une glace et un milkshake à la fraise. Quoi de mieux? La réponse n'est pas un jus de citron pur. Je crois que je perçois un bel arôme d'agrumes. Ah, tellement acide! Je crois qu'ils ont pressé 100 citrons là-dedans. Ma pauvre fille, j'espère que la mienne pique point les lèvres. Qu'ont-ils versé dans mon verre cette fois-ci? Oh, c'est de la glace à la crème. Ok, c'est mon tour déjà. D'abord, une petite gorgée. Oh, du lait à la fraise. C'est le meilleur. C'est le mien. Que se passe-t-il lorsqu'un barman essaie de surprendre la clientèle? Des mélanges vraiment bizarres, comme le Fanta et les Cheetos par exemple. Il faut avouer que vous n'avez jamais essayé quelque chose comme ça auparavant. À côté de ce bouillon de poulet, il a l'air plutôt pas mal. Sans parler du vieux jus d'orange. Bienvenue au premier tour d'orange. Pour continuer à perdre du temps, moi, je plonge dedans. Oh, j'avais tort d'être si pressée. C'est révoltant, sucré, salé et bizarrement granuleux. Burk! Oh, tu n'as pas l'air très bien. Bonne chance à moi. De la soupe au poulet. Comme ma mère me faisait toujours quand je ne me sentais pas bien. Et puis j'étais en bonne santé en rien de temps après cette soupe. Ne te perds pas dans la nostalgie. Arrête de rêver et reviens à la réalité. Ce qui est plutôt bon d'ailleurs. J'ai du jus d'orange frais, hein. J'espère que la prochaine tournée de boissons va vous surprendre. De l'eau et de l'ail. Oh, ce mélange va attirer votre attention. Ou bien, va vous assommer, on verra bien. De l'eau avec du caviar? Une autre assaisonnement super original. Seulement quelqu'un avec des goûts vraiment raffinés l'appréciera. Et pour terminer, le jus de pomme. Classique. Si ça ne vous dérange pas, je vais commencer. Oh, beaucoup trop d'ail! Et moi qui pensais que c'était quelque chose que les seuls les vampires n'aiment pas. Waouh, ça pue! Cette odeur va rester. Je vais essayer de me distraire en essayant la mienne. Oh, le caviar et l'eau, c'est pas du tout ma poisson préférée. Qu'est-ce qui m'attend après l'ail et le caviar? Le jus de pomme? C'est ce que j'appelle un choix délicat. Je crois que je vais boire tout ce verre.
Désolée pour vos boissons, les gars. Proposer des cocktails uniques est une chose que tout le monde peut faire. Mais Andy a le don dans le sang. Regardez, il est en train d'inventer une nouvelle création folle en ce moment. Ça va être le meilleur prank que j'ai jamais fait à quelqu'un. Ajoutez un peu de cola et beaucoup de Tabasco, sans économiser sur le goût. Pour vraiment faire passer cette épice à la vitesse supérieure, nous avons un peu de piment fort. Il manque quelque chose de salé. La sauce soja va arranger ça à un clin d'œil. Et aucun cocktail ne devrait être sans une petite décoration sur le dessus. Et voici de la crème. On dirait de la crème fouettée. Si je ne savais pas exactement ce qu'il y avait dedans, j'aurais tellement envie de le boire. Oh, les filles, qui veut goûter à mon nouveau mélange? C'est très bon, je vous jure. Je ne pense pas, Andy. Nous avons déjà bu plus que notre part aujourd'hui. Pourquoi ne pas essayer toi-même? T'as quelque chose à dire maintenant? Tout mon visage brûle! J'ai besoin d'une serviette! Oh, pourquoi tu me fais ça?